pense que cette exposition est un peu un miracle, puisque non seulement il n'y a pratiquement pas des œuvres dans le musée français, non seulement le musée, vous le savez, ils ne sont pas très heureux de prêter un tableau poignant avec les trois expositions, et non seulement les dates ont changé 36 fois à cause de la pandémie, donc je trouve que vraiment on a de la chance, et moi je suis très ému parce que c'est le premier vrai vernissage qu'on a. Il y avait déjà à Marseille, mais avec jusqu'au dernier moment hésitation, est-ce que les gens pourront venir, etc. Et là, c'est pratiquement normal, sauf que vous avez des choses bizarres sur le visage. Cette exposition, par exemple, de 1896-1914, ça veut dire Yavlensky vivait encore en Russie. Il y a d'autres tableaux de cette période-là, y compris un qui vient d'apparaître, on ne sait pas très bien d'où, mais ils étaient essentiellement en Sibérie et ça nous paraissait un peu loin quand même. Donc on s'est arrêté à ces tableaux-là, mais là vous voyez vraiment une représentation d'un portrait tout à fait classique qui correspond au code, à l'éclairage, à une certaine, je dirais, obscurité qu'on peut trouver en Russie dans cette période-là. Et je vous renvoie à l'exposition de Repin qui a commencé à Paris, Repin qui était le professeur, le premier professeur de Yavlensky. Puis, quelques années plus tard, ce merveilleux tableau, que je trouve extrêmement parlant, puisque ici on a bien sûr encore tout à fait un portrait. En parenthèse, entre parenthèses, remarquez que dans tous les portraits ici, il n'y a aucune contextualisation. Je disais un rapport avec l'expressionnisme, mais ce rapport se limite, puisque à la différence de l'expressionnisme, aucun rapport avec le contexte, même il n'y a pas de fond. Si vous voulez, on a l'impression, enfin il y a un fond, mais il n'y a pas de profondeur, on a l'impression que Yavlensky travaille essentiellement sur la surface pour effectivement mettre en évidence à la fois les visages et certains contrastes. Mais ce qui me frappe dans ce tableau, donc, un visage parfaitement reconnaissable et une liberté extraordinaire de travail sur la touche, sur le reste. Si vous voulez, on a presque l'impression qu'on a ici des systèmes qui sont mis ensemble dans leur contraste, un visage avec des touches beaucoup plus classiques et un vêtement qui est traité de façon tout à fait libre. C'est tout à fait intéressant pour moi parce que vous allez voir à la suite que autant il y a un problème pour tous les artistes s'attaquer au visage à travers des rapports sentimentaux, symboliques qu'on a avec le visage. Vous allez voir que Yavlensky, comme d'autres artistes, va commencer cette décomposition de sujet avec d'autres thèmes, à savoir la nature morte et les paysages. Vous pouvez voir qu'il s'agit essentiellement encore de portraits, ça veut dire des personnages reconnaissables avec des titres qui renvoient à une personne précise, y compris ce portrait de Verevkin. Verevkin qui était la compagne de Yavlensky, mais il ne faut pas oublier qu'elle était aussi une artiste. Souvent on oublie ça comme avec certains artistes, elle était une bonne artiste, vous allez voir d'autres tableaux d'elle par la suite. Et si vous voulez, je disais que Yavlensky était tout à fait particulière par sa préoccupation, voire son obsession pour le visage, mais bien sûr il n'est pas le seul qui a fait des visages. Il y a d'autres artistes qui ont présenté des visages, mais de façon plus occasionnelle, et on a essayé de les contextualiser à travers les trois œuvres que vous voyez ici.
Il parlait de fauvisme décoratif, je trouve que c'est intéressant. Fauvisme décoratif, mais pas seulement ça. Je dirais qu'il y a quelque chose de sur-anecdotique avec cette façon de tenir le parasol, de détenir avec les titres, etc. Et je pense qu'il y a un contraste entre ce visage, ce portrait, et le portrait de Jablonski qui commence à s'éloigner. Si vous voulez, je pense que la nature morte, c'est un objet que l'artiste peut traiter de façon tout à fait libre, qu'il peut manipuler, qui n'a pas, je dirais, un côté psychologique, qui n'a pas, bien sûr, un côté symbolique, mais qui permet un traitement beaucoup plus libre. Et ça m'a frappé, dans le cas de Jablonski, mais ce n'est pas le seul cas, quand vous regardez, par exemple, une nature morte comme celle-ci, si le visage que vous avez venez de voir, même stylisé, on reconnaît encore parfaitement l'ovale, on sait qu'il s'agit d'un visage, on reconnaît les composants du visage, avec une nature comme celle-ci, c'est déjà à peine. Tout là à peine, puisque effectivement, on a l'impression qu'au niveau de décomposition de la forme, même si cette décomposition de la forme, dans le cas de Jablonski, à la différence des cubistes, ne passe pas par la ligne, mais plutôt pour la couleur, est beaucoup plus poussée avec un tableau comme celui-ci, enfin avancée, poussée, tous ces mots sont un peu idiots, mais je n'ai pas d'autres, qu'avec les visages. Et même un tableau comme celui de Matisse, c'est merveilleux, nature morte, il faut quand même regarder deux fois pour reconnaître les composants. On ne reconnaît pas immédiatement les natures mortes cubistes. C'est vraiment un élément de décomposition par excellence. Donc je pense que, si vous voulez, on a l'impression que Jablonski, au début, traite tous les sujets, mais avec une expérimentation dans une sorte de cet aller-retour entre figuratif et presque abstrait, avec d'autres thèmes. Et à part, c'est ce tableau-là. Il est complètement à part, il n'est pas du tout lié à d'autres tableaux de Jablonski. Je trouve que c'est un tableau absolument merveilleux, moi il me touche, parce que je vous ai dit que Jablonski s'occupe très peu de l'espace. On a l'impression que l'espace ne l'intéresse pas beaucoup, puisque l'essentiel de ses travaux sont posés sur la surface et la perspective, quand il faut, elle est donnée, mais ce n'est pas quelque chose d'essentiel, il ne joue pas avec l'espace, comme par exemple le cubiste. Tandis qu'ici, on a quelque chose de tout à fait étrange, puisqu'on ne sait pas très bien comment cette table tient, on ne sait pas les limites entre la table et le sol, on ne sait pas comment elle termine, cette assiette a l'air complètement flottante, il y a quelque chose d'extrêmement énigmatique dans ce tableau. Personnellement, vous devez les connaître, bien sûr, ça me fait penser un peu à Spilière. Entre 1908 et 1910, il y avait un groupe d'artistes qui travaillaient. C'était Jablonski, Kandinsky, Verevkin et Munter. Munter qui était la compagne de Kandinsky, mais là encore une fois, une excellente artiste, donc il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement la compagne de Kandinsky. Et ils travaillaient ensemble, je dirais, plus ou moins dans la même direction. Bien sûr, le thème quasi exclusif était celui des paysages. Et on peut très bien voir les très beaux paysages de Kandinsky, à savoir ce qu'on appelle une double vision en quelque sorte, puisque en même temps, bien sûr, on peut reconnaître qu'il s'agit de montagnes, mais en même temps, vous voyez que le degré de stylisation, qui est quand même plus important qu'avec les visages, permet de regarder les éléments. Ou avec ces tableaux-ci, vous savez, quand je l'ai sorti de la caisse, j'ai mis un certain moment pour reconnaître les formes, puisque ce n'est pas évident, surtout dans la partie inférieure. D'ailleurs, c'est un tableau pour moi qui est tout à fait à part, puisque quand vous regardez les couleurs, ce ne sont pas les couleurs fortes, ce sont carrément les couleurs de Gauguin. Regardez les roses, regardez ça, je connais par exemple le jour dédié de Gauguin, dans la partie bas des paysages, il y a exactement les mêmes couleurs, je ne sais pas s'il y a influence, mais c'est côté, je dirais, surenchère au niveau de la saturation de couleurs, c'est une façon aussi de prendre une distance de la réalité, puisqu'on reconnaît les éléments, mais bien sûr, même dans l'été indien, on ne trouve jamais des couleurs comme ça dans la nature. Mais même pour ce tableau-là, vous voyez que les formes sont rendues, stylisées et poussées à leur extrême, entre
représentation encore reconnaissable et déjà une telle distance quelque part entre les deux. En 1914, il y a 12, je pense, 16 ou 12, il y a ici, il faut le compter. Donc, en 1914, Yavlensky, qui était le prier, une litote, de quitter l'Allemagne, bon, il va en Suisse, il y a pire, mais enfin bon, et il reste quelques années en Suisse. Il a là-bas, il habite dans une petite maison à côté de Saint-Pré. Ce qui compte, que ce tableau s'appelle « La mer des variations ». Et c'est tout à fait important parce que toute cette série qui fait grosso modo entre 1914 et 1918, même si les limites ne sont pas précises, c'est le premier exemple d'une série qui va devenir quelque chose de tout à fait important dans le cas de Yavlensky. Et surtout, on a ici, et ça renvoie aussi à ses rapports avec Blauweiter, quelqu'un qui n'a pas envie de franchir, je dis n'a pas envie, puisque parfois on trouve qu'il n'avait pas l'audace, il n'avait pas le courage, etc., etc. Il a choisi non pas aller vers l'abstraction, qui n'est ni mieux ni moins bon, mais jouer sur cette limite, sur cette tension entre les figurations et l'abstraction, de la même façon, un peu différent, qui fera Matisse et d'autres artistes. Et le choix qu'il a fait, c'est celui de la série, à la différence de la série de Mondrian, la fameuse série des arbres, où il y a vraiment un passage qui va de la figuration, s'éloigne et qui aboutit à l'abstraction, dans le cas de Yavlensky, vous voyez ces tableaux de départ, et il est évident que chacun de ces tableaux, vous le montrez à une personne plus ou moins normale, il vous dira que c'est un tableau abstrait et il aura raison. Mais le problème, a priori, que quand vous voyez l'ensemble de la série, et l'idéal effectivement c'est montrer la série, je ne dirais pas dans son ensemble, mais au moins plusieurs, et quand vous voyez le rapport entre les points de départ ou les débuts de stylisation, vous pouvez voir que les variations qui ont un titre musical, ce n'est pas par hasard, si vous voulez, parce que vous savez que dans cette période-là, les modèles pour la, par excellence, pour l'entendre, c'était la musique, puisqu'elle est non descriptive, puisqu'elle est immatérielle, puisqu'elle est spirituelle. Donc c'est en quelque sorte série ou thème et variation, puisque chacune de ces variations n'est pas la même. Mais quand vous regardez bien, regardez ce tableau-là. On voit ici trois points jaunes. Trois points jaunes qui sont peut-être des taches de soleil, couchers de soleil, j'en sais rien. Mais ce qui compte, c'est que pratiquement dans chacune des variations, vous trouvez ces trois points. Vous allez me dire, et alors ? Eh bien, et alors, ça veut dire qu'il y a une volonté de la part de Yavlensky de garder les hauts et les bas. Non seulement la structure, certains éléments qui reviennent souvent, mais il y a cette volonté, je dirais, d'utiliser ce que j'appelle les signes extérieurs de l'abstraction. Ça veut dire des couleurs libres, ça veut dire stylisation à l'extrême. Sur les limites, et c'est ce qui va se passer aussi avec les visages, à travers cette fixation comme une sorte d'une signature plastique qui montre chaque fois, et c'est la spécificité de la peinture figurative, c'est représenter la réalité pas à l'envers, sauf dans le cas de Baslitz, c'est une autre chose. Mais vous pouvez voir ici, et c'est ça qui est intéressant, de voir cette capacité de Yavlensky de jouer sur les dés à travers la série, à travers cette expérimentation avec les variations, et vous allez voir qu'il va poursuivre le même chemin avec le visage.
Visage, mais il a une structure cruciforme et une croix orthodoxe. On a vraiment l'impression qu'avec ces tableaux, Yavlensky arrivait à superposer des symboles de la spiritualité, d'une part le visage, en quelque sorte, qu'on considère toujours l'entrée des larmes, etc., etc., et d'autre côté la croix, qui malgré tout reste le symbole universel, au moins dans l'Occident, de la spiritualité. Et je pense que cette façon, effectivement, de superposer à la fois le visage et la croix, vider le visage de toute expression particulière et renvoyer à une forme de spiritualité universelle, c'était vraiment le projet et la grande réussite de Yavlensky.